équipés et parés au combat. Mais moi aussi. Salut à tous, c'est L7C Fox et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Watch Dogs, ce fameux let's play que j'ai commencé et on va attaquer l'épisode numéro 3, alors Watch Dogs sur PC. Et pour cet épisode numéro 3, j'ai quand même bien réfléchi à plusieurs petites choses. C'est que nous allons nous concentrer, je pense, sur la quête principale. Alors, pourquoi se concentrer sur la quête principale? Parce que il y a tellement de choses à faire dans le jeu que je pense que entre ce que je ne filmerai pas, enfin entre les parties que je filme plutôt, je ferai un peu du hack ou j'essaierai de découvrir le jeu. Que là, la difficulté, c'est que j'ai du mal à découvrir le jeu puisque je suis obligé de le découvrir à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, et comme il y a une multitude de choses à faire, je pense que le mieux, ça sera que je fasse entre quelques petits trucs sans bien sûr toucher à la quête principale, ce qui va être très compliqué. Voilà, allez, ben on attaque tout de suite cet épisode numéro 3 de Watch Dogs sur PC, comme je l'ai dit. Et puis là, on va se rendre tout de suite. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est on va s'avancer un peu plus, on va activer le profiler. Voilà, toujours bien sûr. Ah ben ça commence bien, alors voilà, c'est le genre de truc. Il m'a tiré dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais faire gaffe. Mais je vais réussir à le shooter. Alors je voudrais pas activer, enfin tirer. Merde, j'aurais dû faire exploser. C'est bon, je l'ai eu. Alors lui c'est fait, voilà, chose faite. Par contre, alors ce que je vais regarder tout de suite, c'est au niveau des options, gameplay, non c'est pas gameplay, c'est non c'est pas ça non plus, c'est commande, manette, voilà, ce que je voulais savoir c'était, et j'ai du mal, recharger, ok, inventaire, dégainer, rengainer, arme. Ok, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Hop, voilà. En fin de compte, à chaque fois, je cherche comment. Alors voilà, ça fait partie des petites missions secondaires ou qui ne sont pas du tout dans la quête principale, mais qui apportent un plus au jeu. Et c'est pour ça que ce que je voulais faire, c'était le faire entre mes vidéos filmées. Alors, ce qu'il me faut, c'est une voiture. Alors, plutôt que d'en prendre une, on va mettre... Non, pardon, profiler. Profiler. Donc, pour le moment, on n'a personne à hacker. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme voiture? On a une superbe Mitsubishi. On a une voiture un peu pourrave, là, mais... qu'est-ce qu'on a? Voilà, on en a une, là. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ah oui, on peut rentrer. D'accord. Faire des achats. Allez, on va voir ce que ça donne. Un petit peu, ça fait partie aussi du... hop, on va enlever le profiler. Faire des achats. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Non, non, non. Non, non, mais c'est... Excusez-moi, c'est pas du tout ça. Je refaisais mon lacet. pourquoi je ne peux pas faire d'achat? Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a personne? Est-ce que je peux la prendre la voiture? Personne n'a rien vu. Ok, la porte s'est fermée. Allez, ce qu'on va faire, on va se mettre en vue intérieure. J'aime bien la vue extérieure parce que ça me permet de découvrir la ville. Et ça, c'est chose qui est vraiment pas mal. Excellente même. Qu'est-ce qu'on a? Ah là là, voilà, crime détecté. Je veux pas perdre de points, de temps, je veux continuer plutôt, on verra ça plus tard, après. Allez, on y va. Oh, elle cartonne bien quand même. On va voir la vue intérieure, peut-être pour voir ce que ça donne. Ouh! Excellent! Ouh!
J'ai failli me le gaufrer, mais d'une force. Bon, là, on est en mode pépère, hein. Putain, elle tourne sec, celle-ci, hein. Oh. Oh, j'y vais un peu à la Franjo, un petit peu. Hop là, allez, on va se garer. Hop là. Ah, je suis bien garé quand même. Ouais, ouais, ça va, ça gère. Allez, hop, on va se rendre là-dedans. Force la sécurité. Je dois renforcer mon armement. Acheter le fusil d'assaut 416. Ok, d'accord. Bon, allez, ben on y va alors. Je peux faire quoi pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fusil de précision, non. Fusil d'assaut, oui, le voilà, il est là. Allez hop, on prend ça. Confirmation d'achat, acheté. Voilà, équipé. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Pistolet mitrailleur. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. Dans la roue de sélection, vous pouvez modifier l'arme sélectionnée. D'accord, dans la roue de sélection. Certains ont un casier, vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Dans la roue. Le réseau CityOS est parfaitement protégé. Ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. Hop là. Porte-parole de Bloom sur la sécurité du CityOS. Allez, on va se contenter de reprendre la mission principale. Hop, mission principale, c'est parti. Alors je dis pas que de temps en temps je ne ferai pas certaines petites missions annexes si ça se présente juste devant moi. Comme là tout à l'heure, ben, ce qu'on a eu, le gars qui est parti, qui nous a tiré dessus, j'ai réussi à avoir. Oh ! Désolé. Allez, on n'est pas loin. Ah, il cartonne bien quand même, cette Mitsubishi Lancer Revolution. Ou le feu, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Leur sécurité va être dure à passer. Mais non. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À d'accord. Qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Bon, alors ce qu'on va faire déjà, je vois qu'en haut, il y a une caméra. On va la hacker direct. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Déclenchement d'alarme. On a des caméras un peu partout. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Ah oui! Ah, oh, mais il y a un gars déjà là! Allez, ça, c'est fait! On a un gars juste ici. Ah, mais il y a des caméras partout. Donc, déjà, on peut même interagir. Pas forcément. Faire exploser, non. Chariot élévateur. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Déclencher l'alarme. Les mecs ils réagissent même pas quoi. Là par contre ils réagissent. Caméra. Alors la barrière déjà. On va l'ouvrir. Donc on a un autre gars là-bas, on a un autre gars ici, on a la caméra là, je vais la récupérer cette caméra. On en a une autre ici. Ah d'accord, hein. Caméra. Caméra. Il a une caméra sur lui. Ah oui, excellent. Je peux carrément les embêter, carrément les emmerder. Eh les gars, vérifiez votre matos. Les explosifs sont peut-être défectueux. Ouvrez-le.
Toi que dalle, bouge de là. On peut rien faire là, je peux rien faire exploser, non. Non, caméra. J'ai loupé mon coup. Bon, ça va être chaud quand même. Allez, passe dessous. Je vais peut-être pas être con pour passer dessous quand même. Non. Bon, mais ce qu'on va faire, on va y aller. Hein. On va aller attaquer tout ça. Ça va être chaud, je pense. Ça va être très chaud. Parce que là, ils sont un peu partout déverrouillés. Alors, ce que je peux faire, c'est refermer la barrière. Voilà. Localiser un garde disposant du code d'accès. Ah, mais alors, peut-être plutôt que je fasse pas le héros, là. Caméra. Hop. Alors là, venez là. Il n'y a pas une caméra, ça aurait été bien qu'il y ait une caméra à l'intérieur. Ils sont trop loin. Ah, ils viennent pas par là, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, je sais pas trop comment je vais pouvoir procéder. Ça va être chaud, on va essayer de faire ça tranquille. On va essayer de passer là. Hop. Ouvrez l'œil. Déjà. Par contre, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. Monter, non, je vais pas monter par là. Je vais faire gaffe qu'il n'y ait personne d'autre. Bon, ça va, c'est quand même pas mal. Une petite mission d'infiltration. J'ai intérêt de faire gaffe. Alors, je viens juste de passer. Il m'a vu. C'est un peu con-con là, mais bon. Voilà. Il y a un truc à prendre ici. Hop. Composants électroniques. Alors par contre, il y a du people là-haut. J'ai intérêt de faire super gaffe. C'est bon, pirater les données, utiliser... Voilà, ça, chose faite. Accès à la salle des serveurs. Pilote d'hélicoptère amateur, profession chef de sécurité indépendant.
Ok, donc il me reste un gars qui est là-bas au loin. On va prendre ça, hop. Après normalement il n'y aurait plus personne. Ce qu'il y a, il est juste devant. On va faire juste le tour. Voilà, ça c'est fait. Tout est bon. Faudrait que je m'occupe un peu de tout ça, des éléments un peu. Voilà. Oula, petit pulse. On a un petit pulse. Là, ça passe. Ok. Ok. Bon, là, c'est assez simple. Oula, ça se complique là, par contre. Hop. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal ce petit truc de. Il y a même un temps sur les pièges. Ok, piraté. Ok. Alors, clac, fermez vidéo. C'était okay. Carrément chez quelqu'un. C'était quoi ce truc, hein, d'accord. Voilà. Je suis connecté. D'accord, je viens de débloquer carrément dans la ville. T'es dans le City OS déjà. Voilà, des City OS, enfin d'autres points, d'autres exactement, antennes qu'il faudra que j'aille pirater. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder au secret de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Trouver un joueur à pirater. Ok. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Bon, très bien. Très bien, très bien. Acte 1, accès au district débloqué. Oula. Smartphone détecté, réseau mobile disponible, point de compétence obtenu, nickel. Un point de compétence obtenu, donc, allez, je reprends ma souris, je suis toujours plus tranquille avec la souris. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi? Coup en pont, ah ouais, non, le système ferroviaire, ça me plaît pas trop. Au niveau des batteries, non. Alors, hop. Alors, je vais me mettre un peu plus. Là, on a quoi? Ça, on l'avait fait, non? Débrouillage. Êtes-vous sûr de vouloir acquérir cette compétence? Non, c'était quoi ça? Désécrétion automatique. Ah oui, si, ça, on va prendre ça. Allez, hop. Voilà. Chose faite. Impeccable. Hop. C'est bon. Ah. Tel. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Ah. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Putain, on sort pas où, là? Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors, est-ce que ça fait partie de la quête principale ou pas? Je n'en sais strictement rien. Mission principale. Conduite accompagnée, voilà, ça doit être ça, tout simplement. Et ben on y va. Allez hop, on remonte dans la voiture. Allez, avec un peu de musique entraînante. Allez, c'est parti, on y va. En plus, on est... Ah ouais, alors le reflet de l'eau sur la route est quand même pas mal du tout. Ah, on est vraiment pas loin. Ouh, désolé. Alors moi, le klaxon, j'aime ça. Hein.
Allez, on y va. Je vais réactiver quand même mon profiler. Parce qu'il y a des gens chelous là-dedans. Compte bancaire piraté. Ok. C'est pas cool ça. Fréquente un mannequin roumain. C'est quoi ça? Ah. C'est quoi ça? Un fixeur? J'ai dû faire trop de bruit dans le loop. Il m'a localisé. Eh ben, à moi de le trouver maintenant. Allez, le contrat de Jordi attendra. Alors faut que je trouve le gars, je sais pas. Je sais pas du tout s'il est en déplacement ou pas. Jamais tu t'excuses. Alors. On va y aller à pied. Comme ça on va couper tout droit. Localiser. D'accord. Alors, est-ce que c'est un joueur? Je pense que c'est un joueur qui est en train de... Alors, on va y aller tout de suite. Et je pense que j'ai un joueur qui est par là. On va couper par ici. Est-ce qu'on pourra passer après là-bas? J'en sais strictement rien. J'en profite. Je suis un distributeur, j'en profite pour y aller. Et j'ai un fixeur, alors faut quand même vite que j'y aille. Il faut que je le trouve, je sais pas où il va être. Alors, piratage en ligne, piratage par l'ennemi. Un fixeur a accepté un contrat de piratage en ligne et doit voler des informations en votre possession. Trouvez le fixeur responsable de la tentative de piratage. Votre rival peut se trouver aussi bien au-dessus qu'en dessous de vous. Sur un toit, dans un véhicule ou encore parmi les passants. Utilisez le profiler sur toute personne que vous soupçonnez d'être hacké. D'accord. Bordel, il en a après moi. Non. Peut-être que si je trace son signal, je le retrouverai avant qu'il pirate. Ouais, mais faut que je le trouve. Comment je vais trouver le gars, moi? Vous voulez vous sentir en paix avec vous-même? Oh, c'est chaud! Il y a personne qui bouge là dans la voiture là. Non. Pas le hacker, pas le hacker, pas le hacker. C'est qui court là? C'est lui. Voilà. Maintenant t'es à moi. Allez, viens là, enfoiré, viens là. Non mais ça va là. Tiens, comme il galope vite. Oh, mais galope super vite! Alors, toi, mon petit gars, tu vas pas en rester. Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Combien il peut y en avoir encore? Il est où? Point de notoriété. Excellent, je l'ai eu, mais je le vois pas. Voilà, The Hacker identifié a été appelé pour participer à un jury. Profession vendeur de voitures. D'accord, en tant que fixeur, votre notoriété détermine votre influence parmi vos pairs. Améliorez votre notoriété en affrontant d'autres fixeurs au cours de contrats en ligne. Débloquez de nouvelles compétences à mesure que votre notoriété augmente. D'accord. Bon, enfin, en attendant, je l'ai eu. A mis un contrat sur ma tête. Et c'est une putain de mauvaise nouvelle. Bon. Si je me souviens bien, ils utilisent la grille pour communiquer. Alors là, c'est excellent parce que je... Appel contrat en ligne, voire didacticiel. Est-ce qu'on a le temps? Accéder à l'appli contrat en ligne. Non, on va pas faire ça tout de suite. Ce qu'on va faire, on va s'en tenir à la quête principale. Voilà. On aurait pu aller débloquer ça ensemble. On va y aller avant de repartir. Bon, maintenant par contre il me faut une autre bagnole, parce que bien sûr j'ai tout ébouillé. On a un distributeur. Est-ce qu'on peut y aller là? Non, on ne peut pas. Moi dès que je vois ce distributeur, je suis fou comme un lapin.
Bon, enfin, on l'a eu. On a eu notre fameux hacker. Il a voulu sélectionner l'appli contrat en ligne. Ah ouais, mais il faut absolument que je consulte l'appli en ligne. Alors, contrat, ok, voilà. Alors, filature, voilà. Bon, en fin de compte, j'ai tout. Piratage en ligne, comment ça vient de se passer. Course en ligne, challenge CTSO1, ok. Bah, c'est un peu le multijoueur, quoi. Donc, excellent. Piratage en ligne, sélectionner, piratage et solliciter une cible. Ah bah, ils veulent absolument que je le fasse. Bon, on va être obligé de le faire, alors. Un fixeur concurrent a mis la main sur des informations que vous devez récupérer. Objectif, pirater le téléphone du fixeur, installer une backdoor, récupérer les données et disparaître avant que le fixeur ne vous localise. Ne faites pas du mal au fixeur. Les données que vous volerez n'auront aucune valeur si le fixeur est blessé. Ah d'accord, en plus, ils peuvent même pas me tuer. Demande de cible pour piratage, afficher les classements. Bon, ben, on va faire ça. Allez. Quel type de contrat je peux remporter ? Bon, j'aurais voulu plutôt expulser de l'appartement. Piratage en ligne. Localiser un fixeur, voire didacticiel. Maintenez pour annuler. Moyenne, temps d'attente moyenne 2 minutes. Ok. Bon, ben on va. Ouh, la voiture là. Où il me la faut celle-là ? Où il me la faut ? Nouveau véhicule disponible, ben voilà, impeccable. Alors, on va essayer de la jouer tranquille. Hein. Appuyez sur B pour vous cacher dans le véhicule, non, c'est pas ce que je veux faire. On va laisser... Alors, on va se mettre à l'intérieur de la voiture pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, bon, les intérieurs sont assez classiques. Hein. Je reviendrai plus tard. Bon, pas de contrat. Voilà, donc ce qu'on fait correspond à un détenu. Ok, bon, ça... Alors, ça fait que la quête principale est réapparue. Alors, conduite accompagnée. Ça, c'est ce que je devais faire. Mais vu le temps qui reste, ce que je vais faire, on va faire l'antenne. Voilà. Retourner à la mission de Jordi. C'est comme un contrat de chauffeur. Je vais devoir déposer quelqu'un. Un peu comme un taxi, mais en mieux. Le truc... c'est d'éviter les flics. Ouh ! Bon là, excellente voiture. Ça me plaît comme voiture. Oh non, j'ai autre chose. Ah, vous voyez, il y a tellement de choses à faire dans le jeu que c'est impressionnant. Nous sommes avec le maire de Chicago qui nous accorde un entretien avec... Monsieur Rushmore, merci d'être avec nous. Tout plaisir est pour moi. On va se mettre juste devant. Voilà. Hop là. Allez, on descend de la voiture et on va essayer de s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Je pense que... Non, c'est plus... Ouais, si, c'est là. C'est juste devant, c'est ça. Donc, faut trouver le moyen d'aller là-dedans. Élément de fabrication de piratage unique. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer? Non, on ne peut pas rentrer. Donc il y a un truc à faire. Je dois passer certainement par derrière ou... Ouais, voilà. On peut passer là. Il doit y avoir des trucs à faire ici. Ah ben voilà. On peut monter là, non? Ah, excellent. Ben voilà, j'ai trouvé. Hop, hop. Alors on va s'occuper de cette antenne et après on reviendra carrément faire exploser. Non. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on ne peut pas. Alors ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué que prévu. La porte est verrouillée. Il me faudrait une caméra. Ah voilà, caméra. Je pense qu'il doit y avoir un truc déverrouillé. Nickel. Ah non, mais c'est pas le bon truc que j'ai déverrouillé. Mince. C'est pas le bon truc. Qu'est-ce que j'ai été déverrouillé, moi? Alors, je suis où, là-dedans, là? Je suis là. J'ai déverrouillé la porte du haut. Ça, d'accord. Mais il y a autre chose. Déverrouillé, voilà. Impeccable. Normalement, c'est le bon truc, là. Voilà, impeccable.
Oh oui. Oh oui. Excellent. Voilà, donc on aura pu débloquer, voilà, cette... Enfin, débloquer, enfin, on va avoir encore une grande zone qui va être impeccable au niveau de l'antenne. C'est nickel. Voilà, et en plus, je vais avoir une nouvelle planque. C'est là, d'ailleurs, où on va se rendre. Voilà, alors, nouveau collecteur débloqué, nouveaux indices d'enquête disponibles et nouvelle planque impeccable. Contenu district débloqué. Voilà, alors, on affiche la carte. Cash Run est un jeu en réalité augmentée sur smartphone inspiré du parcours. Ok, rendez-vous à une icône Cash Run et appuyez sur Y pour commencer à récupérer les pièces d'or le plus vite possible en évitant les crânes rouges. Battez les meilleurs scores des classements. D'accord, bon, alors ça c'est vraiment un petit truc qui fait partie du plaisir, enfin secondaire, vraiment secondaire. Allez, mais ce qu'on va faire, on va pas perdre plus de temps, on va se rendre à la nouvelle planque qui est juste là, planque. Pourtant ça m'a pas l'air d'être celle-ci. Celle-ci on l'a faite, on l'a eu. Là on est au cœur de la ville. Non mais si c'est celle-ci. C'est celle-ci. Allez hop. Trajet rapide, on y va. Et on va stopper là pour cet épisode numéro 3. Où en suivant voilà la quête principale. Franchement c'est pas mal du tout. Hop là. Alors là lui c'est un fanat des containers hein. C'est impressionnant. Hop voilà, on est dedans. On va faire l'enregistrement. Donc, vu que je suis le fantôme de Rekeni. Hop là, récompense de progression. Ok. Contrat fixeur. Alors, je vais pas avoir le temps de faire le contrat de fixeur. Est-ce que dans l'apparence, non, on n'a rien de plus puisque je n'ai absolument rien acheté. Mais il va falloir que je m'y attarde. On verra ça dans l'épisode 4 où j'aurai peut-être... je vais peut-être jouer de façon, comme je vous ai dit, entre les missions. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas. Mais au moins déjà, on a bien avancé avec la quête principale. Et c'est le but. Voilà. Alors on va faire voilà, 6 heures du mat. Donc on va faire se reposer. Et on va s'arrêter là. Voilà, on va avoir un aperçu de la ville. Ça, c'est ce que j'aime bien. On a joué là de nuit un petit peu. Et comme ça, ben, on va partir sur le matin. On va voir, hop, 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 tout se lève. Et, tout se lève. Le soleil se lève. Voilà, alors il est 6h du mat, il est un peu crevé, c'est normal avec tout ce qui galope le gars. Mais bon, voilà, alors on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 3. Et toujours une agréable surprise, Watch Dogs. Je dois dire quand même qu'il est bien foutu. Enfin, moi j'apprécie, j'adore, je le trouve vraiment excellent. Allez, merci à tous, bon jeu à tous, et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 bientôt. Salut à tous!